Donc c'est quoi? Reaching level 3, gain un elixir of avarice, gain un elixir of force, gain un elixir of skill. Ok. Mais en vrai, en lane, ça doit pas être dégueu, ça, World Atlas. Ah mais ouais, ok, c'est l'item support. Ouais, ok, c'est l'item support. Ça, c'est item support, ça aussi. Et pourquoi c'est là? Si c'est des items support, je comprends pas pourquoi c'est dans les trucs mage. Ça doit pas être bien organisé. De toute façon, c'est soit malignance, soit caster compagnon. Mais je pense que caster compagnon, c'est mieux que malignance. En tout cas, sur ce champion-là. Sur Wei. Malignance sur Vel'Koz, je pense que ça va être fort. Hein. Ace pour l'ultime. Burn the ground under et tout. On testera sur Vel'Koz tout à l'heure, je pense. Mais là, j'ai envie de jouer le champion. En vrai, j'ai envie de jouer ce champion, j'ai pas envie de jouer Vel'Koz, tu vois. Et du coup, je pense en lane, on start forcément ça pour le wave clear et tout. On va encore être en mirror matchup, malheureusement. The surreal makes people admit what's real. Ionians know the contrast between light and dark. Where do you fall? C'est d'être un peu agressif. Voir ce que ça donne. C'est dur à toucher le Z sans avoir un CC avant en vrai. Le QZ. Et je dis ça, il le touche sur moi juste après, je suis un golemon. Et on met ça pour se régénérer du mana. Dès que c'est dispo, il faut que je le mette. En lane, quasiment. Prends une petite pote. J'ai reçu mon élixir de force. C'est pour les minions, ok. Pour une minute. Et la dodge, my bad. Faut que je sois plus rapide dans les combos, mais c'est dur en vrai. Là, je mets mon E pour la régène mana, vu qu'à chaque fois que j'en touche un, ça me remonte du mana. Non, je pense qu'en lane, dès que c'est disponible, faut le spam, genre. En vrai, je pensais faire des tutos et tout sur YouTube en mode la vision et tout. Mais vu que la map va changer pour la première fois depuis un moment, on fera un tuto en temps et en heure, quoi. Ok. Je pense que je peux base, il a une TP lui? Ouais. Ils jouent tous TP les mecs. Casse les couilles ce spell de Golemon là. Et je suis pas chapter, ça fait chier. Je vais faire comme tout à l'heure. Et on va prendre ça pour trade en boucle. Du coup pour revenir en lane c'est le truc de Moose Speed forcément. Ok.
Bon, j'avoue que j'ai pas trop fait de tuto sur les spells et tout, je suis en mode tout le monde connaît, même si la vidéo va sur YouTube, mais tout le monde connaît pas trop. Après, je vais pas vous mentir, je pense pas être un expert pour l'instant. Et je pense pas tout bien savoir, parce qu'il y a en plus du champion, il y a tous les items qui sont changés sur le PBE, donc c'est un peu particulier, mais on teste, hein. Je suis un golem. Ok. Ouais, ça tue. Ok. Donc le combo des... De toute façon, ça, c'est, je pense que le EE, c'est un combo qui va beaucoup, qu'on va beaucoup utiliser pour setup un autre spell ensuite et proc le passif. Donc ça c'est quoi? 20 adaptive force pour 60 secondes, ok. Je vais le mettre là. C'est vraiment bizarre la triple annonce sur le héros de la faille. Il a un... C'est un peu dur d'avoir les... Plus de mana. J'ai plus de mana. Faudrait du mana pour au moins ZE. J'ai encore pas de mana. Ah, c'est l'œil. Je peux peut-être le tuer là. Avec un Q-spell. Ou un QZ. Faut que je le snipe quoi. Mort. C'est la move speed. Je vais jouer avec les Bush. League. Merci French pour le sauvetage. Du coup, chose intéressante, le ZQ, il n'y a pas de cast time, mais ça te fait pas t'arrêter ni rien, tu cours tout droit. Ok. Genre, je peux juste continuer d'avancer et mettre le truc tout droit et ça me... Ouais. Ok, nice. Bon, là, avec Chapter, ça va aller un peu mieux. En plus, j'ai des stacks de Dark Seal, c'est pas mal. Ok. Dommage, j'aurais bien aimé lui proc le passif en plus. Touche bien son... Mon R va pas sur les creeps. Ah, c'est ennemi champion, c'est écrit. J'ai raté mon R. J'essaye de tenter des petites agressions, hein.
Mais je pense que Mourir va que sur les champs. Après, avec le ping, c'est dur aussi, c'est chaque fois sur le PBE. Ok, il va prendre le passif, c'est huge. Ce combo-là est pas mal en vrai. Pour push la wave et... Meurs. Bim. Je me prends son ulti, ça va détonate. Je meurs pas. Mais c'est pas mal le combo, genre où tu mets le... En fait, t'essayes d'avoir le champion en même temps, tu vois. Tu mets le QE sur la wave, EE pour ramener derrière, essaye de ramener le champion dedans, et vu qu'il prend un tick de ton QE et qu'il prend le EE, ça proc le passif en même temps, c'est pas mal. Ça fait un bon pattern de trade, en vrai. De toute façon, je pense que le EE, qui a une range raisonnable, et qui est pas genre, tu sais, un skill shot comme le Fear et tout, est bien pour trade et proc passif et tout, c'est pas mal. 1400, je vais vendre. Hein. Je vais vendre. Hein. Et du coup, avec le truc level 9, là, j'ai un élixir de spell. Donc là, je peux consommer pour ça. Je pense que max l'utilitaire, c'est bien. J'ai pas envie de max le E, moi. Parce que le E, en soi, c'est juste les patterns de trade. J'ai pas l'impression d'en avoir vraiment tant besoin que ça. Alors que l'autre, c'est l'utilitaire, je trouve ça vraiment pixel. La move speed, le E pour la régène mana et tout, c'est vraiment bien, je trouve. Peut-être que c'est pas ce qui se fera, mais je vais essayer d'y aller. Il a pas le R, je crois. Merde. J'ai pas flash. Enfin, j'ai flash, mais il y a trop de ping. J'ai pas très bien joué. J'ai mis mon R dans le mauvais sens. J'ai mis mon Q-spell dans le mauvais sens aussi. My bad. Après, c'était pas un bon fight anyway. C'était pas un bon fight anyway. Ils ont pris beaucoup de gold sur ça. Et j'étais encore à la base. Bon, là, pour revenir en lane, c'est toujours pareil. On met la move speed. Worst a pris une larve, ça sert à quoi? Ok, ouais, je savais pas. Je savais pas que ça faisait ça. Ça donne pas la vision par contre? Rage de Garen en face. Ça rage de Garen. En vrai, la force de push avec le E qui proc sur les tourelles est pas mauvaise non plus. Hein. T'as par contre les pings ont tellement de value maintenant dans ces bushs là. Raté, hein. C'est tellement dur, frère. Il y a tellement de spells. Faut penser à toutes les situations, parce que là, j'ai l'impression de jouer avec 3 ou 4 spells, en vrai. Ouais, je l'ai pas. Tellement dur. Du coup, je vais prendre ça. Ensuite, je vais faire Storm Surge.
Parce que je pense que j'ai beaucoup l'avantage de range sur les mecs, donc la move speed me paraît forte sur le champion. Enfin, de toute façon, je pense que ce combo d'item, c'est le combo d'item actuel pour faire le plus de dégâts, tu vois. Et je pense que le troisième item, c'est Shadow Flame, et ensuite Rabanon. Genre, je pense que c'est le truc qui fait le plus de dégâts en mage actuellement. Caster Compagnon, Storm Surge, Shadow Flame, Rabanon, je pense que c'est ce qui fait le plus. Je vais essayer de lui mettre un trade. Big. Mort. Avec le passif. Yep. Big. Deux proc passifs d'affilée. Ça fait la diff. Merci beaucoup pour le raid de Chambless encore. Faut aller là-bas. Full tilt. Ils ont FF du coup. Le nazi s'est fait outplay, il a lasté instantanément un get cancer en all chat. Ok, ok. Sur le PBE, bro, reste zen, frérot. Ah, je n'aurai Shiro pour ça, ça m'a vraiment mis bien. On va report l'autre débile. Aïe aïe aïe, vas-y, enchaîner. Hein. Je vais en refaire une avec le perso. J'aimerais bien pas avoir un mirror match-up, mais tous les mecs veulent jouer le champ, donc j'aurai forcément un mirror match-up en fait. Je testerai peut-être Vel'Koz à un moment et je laisserai Itis jouer le truc au bot.